n'arrive pas à avoir le ballon. Il y avait un joueur du FCA là, je suis entre lui et le ballon. Bien. Allez Oussama, oui Oussama. Ok Oussama, merci. Ceux qui veulent progresser, se donner à fond sur le terrain, gagner des matchs, limite mourir sur un terrain, vous pouvez mettre là. Ceux qui veulent juste jouer au basket, s'amuser, que je ne vais pas juger, vous pouvez mettre là. C'est un mensonge que vous faites. C'est un mensonge. Repris à nos baskets, on est une équipe, on est soudés. Repris à nos baskets, on est une équipe, on est soudés. On est soudés. On est soudés. On discute après, on est en retard, on va enchaîner. Essayez d'être concentré parce que je ne pourrais pas trop vous montrer des défenses. On va chercher ici main droite, notre défenseur va croire qu'on va partir là. Dans le match, il va faire un pas. Nous, on va se retourner, poser un dribble et envoyer son double pas. On pose un dribble, on envoie son double pas, on marque. On récupère son ballon. Voilà, très bien. On va passer sur le dos et on va jouer. Ok, retenue pour tout le monde. Allô? Oui. Retenue pour tout le monde. Oui. Alors en place. J'ai pas mes adjoints, je suis désolé. C'est parti, allez. Ça va quand tu veux, allez. On tourne en arrière. Très bien. Très bien. Très bien les gestes. Maintenant ce qui est important, c'est mettre une contexte. L'envie. Pas exactement. Mais c'est à peu près ce que je vous demande. Dites-vous que si j'ai mis 4 bonhommes là, c'est 4 joueurs. Que ces 4 joueurs là, c'est un match. Que ce que vous faites là, il n'y a aucune envie que ça va marcher. On est tous en train de marcher, de trottiner. Chaque accélération, c'est pour être à 150%. On est OK sur ça? Oui. Si vous arrivez devant le bonhomme, là, le défenseur, vous le fixez, que vous ralentissez comme ça, à 2 à l'heure, que vous reculez à 2 à l'heure, pour repartir à 2 à l'heure, le défenseur, il s'en fout, vous n'allez pas le donner. Donc moi, je vais voir des mecs qui jouent un match, là. Objectif, marquer ce panier en face. Marquer le panier, ça va être plus possible. Donc quand j'arrive devant le bonhomme noir, mes pieds claquent, fort. Je recule, mes deux pieds claquent fort sur les pastilles. Une fois que mes pieds vont bien claquer, je repars vers l'avant. Non-stop à 100%. Un entraînement, il faut se mettre en mode match, sinon vous n'entraînez pas. C'est trop facile de continuer, on est tous basketteurs sinon. On est OK sur ça? Ok, allez, il y a de l'envie, ça me va. Merci Charles, très bien. Ok, ok, merci Charles. Merci Oussama, là ça va vite, là il y a de l'envie, là ça va vite. Allez, allez, à fond, à fond, à fond, fléchis Oussama. Avec deux béquilles. Le second.
qu'on a travaillé. Il n'y a plus que deux entraînements avant de commencer. Oui, ce que je viens de dire en fait. Avant trois matchs d'affilée. Donc à samedi tout le monde, le moindre absent, à part David parce qu'il a prévenu il y a longtemps, ne jouera pas les matchs. Samuel, elle est combien, Oussama? Moi, j'en ai pas. J'ai invité Lévi à venir s'entraîner parce que je recherche des joueurs motivés, mais j'en ai pas beaucoup. D'accord? Juste, je vais vous poser une petite question, comme ça au moins on est sûr pour la suite. Vous voyez cette ligne jaune? Ceux qui veulent progresser, se donner à fond sur le terrain, gagner des matchs, limite mourir sur un terrain, ceux qui veulent juste jouer au basket, s'amuser, que je ne vais pas juger, vous vous mettez là. C'est un mensonge que vous faites. C'est un mensonge. Vous n'êtes pas tous motivés. C'est un mensonge. Donc ceux qui veulent juste s'amuser, vous laissez ici. Vous êtes tous motivés. D'accord. Le Samuel, laissez. Le Samuel, on joue porte ouverte. On va en prendre 100, je vous annonce. On n'a pas eu le temps de travailler. La semaine prochaine, on reçoit la CA, on va en prendre 100. D'accord, donc là vous êtes tous motivés? Oui. Ok. Oussama, on est un peu surpris là, non? Hein? Je dis honnêtement, il y a des menteurs là. Il y a des menteurs, ok. On est d'accord. On va finir l'échauffement par une petite passe à 10, d'accord? Sur tout le terrain. Quand on a fait 10 passes, on peut marquer dans le panier de son choix. Tout le terrain. Ok, donc individuel. On prend chacun un joueur, il ne doit pas avoir le ballon. On est ok? Oui, monsieur David. Le terrain est grand, je veux pas voir tout le monde courir après le ballon. Ouais. À vous, capitaine. Jouez. Allez, bisous. Ciao. C'est tonton Vincent. Mon anniversaire. Je! Les jeux!
Maintenant, ce que j'aimerais, on va voir un coup, on pose les ballons, ceux qui n'ont pas soif ramassent le matériel. Ok, 2 points pour les jeux, les 3 fois gagnés. 2 points pour les jeux, les 3 fois gagnés. Commence mal. Alors là, c'est l'époque où on a travaillé difficilement. Question au hasard, ouais, allez, allez-y. Il y a l'école de basket qui a jamais joué avec vous. De ce côté-là, avec quelle main on y va ? Mathieu, hein ? T'as entendu ? Côté gauche du terrain, une main gauche. Exemple pour ça. Parce que si un joueur... Problème. Main gauche. Contrôle main gauche. Contrôle main gauche. Et là, on va voir ça. Toujours protéger son ballon. Ok, on a fait plus 7 ans. Lévi, tu diras avec ton coach à l'école de basket, là. D'accord. Pourquoi t'en ranges? Et alors? Lui il est en bleu. Pourquoi t'es orange? J'ai dit 4 prénoms. Oh putain. C'est Donne-moi les chasubles, donne-moi les chasubles. Un jaune. Non, c'est moi qui prends David, mec. Oh si. Vous allez jouer avec un rempart. Andri. Chut. Ok, oh, ça parle encore. Andri, dommage, enlève ton chasuble, là-dedans, mets-le orange. Voilà. Tu reviens bleu. On donne des chances, vous n'écoutez pas, c'est votre choix. 15 fois. Un petit mot, monsieur le coach. Bah, sur les gens, ils sont 16 motivés. J'ai des doutes. Pourquoi elle est vide? Pourquoi elle est vide? La photo c'est dur en ce moment. Au piano basket, on est une équipe, on est soudée. Au piano basket, on est une équipe, on est soudée. On est soudée. On est soudée. On est soudée. On est soudée.